Wolfie insupportable. Bonjour à vous et bienvenue dans un nouveau vlog des familles. Et on commence tout de suite par un... Oh bah oui, ah bon, je suis comme ça, on commence tout de suite par un retour de course. On a été à Truffaut. Ouais, Truffaut, c'est ça, pour prendre de l'eau. La sale tête que j'ai, de l'osmosée. Et on a été aussi à... On a été à Truffaut, on a été à Grand Frais. Et voilà. Ouais, bon. Et à Truffaut, j'ai acheté des petites voitures pour mon petit Chouki. Qui sont plutôt bien finis. Et on a été à Action. On a été à Action, bien sûr. Donc, je vous montre ce qu'on a acheté à Grand Frais. Alors, j'ai pris les cours. Je vais essayer d'organiser mes courses à moi. Enfin, les trucs que j'ai acheté moi. De la pousse d'épinards. Des jeunes pousses d'épinards. Ça, c'est trop bon. C'est des noix du Brésil. C'est pas du tout ça. Des noix du Brésil comme ceci, trop bon. Hop, du saumon, du cœur de saumon comme ceci. Des kiwis, mais la blinde de kiwi, tu vois, la blinde des kiwis. Un petit mélange vitalité comme ceci. Des petites graines et machin, ça je me dis que ça peut être pas mal pour le petit déjeuner. Hop, des tomates, elles sentent super, 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 super. Elles sentent la vraie tomate. Elles sentent la vraie tomate. Et oui, je me suis pris un petit jus comme ceci. Pomme, avocat, noix de coco. Oh oh, un petit jus comme ça, je me suis dit qu'est-ce que ça va donner. Et une betterave. Une betterave comme ça. Ok, les courses à moi, les courses de mon mec. Des fourrés au chocolat. Des fourrés au chocolat comme ça. Des gâteaux au chocolat style petit prince. Hop. Mon fils a pris des gâteaux, des petits chocolats comme ça, des petits lapins. Mon mec a pris un gros paquet de guimauve au chocolat. Hop, hop. Mon chéri a pris un velouté d'asperges et pointe de crème. Comme ceci, une petite soupe. Du pain demi. Comme ceci, hop, des petits suisses, du jambon cuit. Ah, autant pour moi, j'avais oublié, j'ai pris également des surimi, ils sont super super bons ceux-là, ils sont très 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 bons. Ils sont comme ça, tu vois. Mon mec a pris des pâtes, de la mousse au chocolat, et il s'est pris un petit jus, lui c'est mangue, fruit de la passion. Des gaufres. Et moi j'ai oublié que j'avais pris des espèces de petits pois comme ceci à éplucher avec la petite courgette, ça peut être plutôt cool. Et ensuite avant en fait chez Truffaut, j'ai pris des plantes. Alors mon chéri a pris la petite chouquette avait envie de ça, donc on lui a pris ça pour mettre dans sa chambre. Un tournesol, enfin trois tournesols. Et moi du coup j'ai pris, donc là vous en avez, ça coûte super cher par contre hein. C'est chez Grand Frais, on en est pour 60 euros. C'est 6 euros la branche, grosso modo. Donc j'en ai pris deux comme ceci. Bonjour hein. Deux comme ça. Elles sont super belles celles-là. Et une comme ça. Et du coup, j'ai fait une espèce de bouquet un peu comme ça. Le truc n'arrive pas à parler. Pour mettre tout simplement dans ma chambre. Voilà les loulous. Allez, j'ai posé ça quelque part. On va mettre ça là en attendant. Et du coup, bah, hop. Je vais essayer d'en sortir. Et du coup, je voulais vous dire bienvenue dans un nouveau vlog. Coucou les loulous. Pour une fois, on n'est pas dans mon lit. On n'est pas dans ma voiture. Oh, la fille qui arrive plus à parler. Pour une fois, on n'est pas dans ma voiture. On est à la maison. Je viens tout juste de rentrer du taf. Je suis un peu fatiguée parce que mon fils a toussé toute la nuit. Je me suis couchée. Je crois que je me suis couchée à 1h30 du matin. Pour un lever à 4h, ça picasse un peu. Ça picasse un peu de fou. Je voulais vous montrer. Ah, ça y est, je vais commencer, je vais être speed. Bonsoir. Je vais être speed. Regardez les fleurs que je vous avais montrées. Bon, que je vous avais montré hier, que j'ai acheté à Jardiland. À Truffaut, autant pour moi. Et les cheveux là. Donc moi j'avais déjà les petites bouboules là que j'avais achetées il y a très très longtemps et je ne saurais pas du tout où elles étaient. Ou je les avais achetées. Donc du coup ça donne ça. Je l'ai mis un petit peu à l'arrache. Mais du coup voilà, dans un pot que j'ai depuis très longtemps, qui vient de chez Maison du Monde, je crois. Qui vient de chez Maison du Monde. J'ai eu des idées de vidéos dans ma tête pendant le trajet. Donc faut que j'enregistre, faut que je mette tout ça. Faut que je mette tout ça à l'écrit en fait. Des idées de vidéos de collaboration. Donc faut que j'écrive tout ça et que je les propose aux personnes qui sont concerné. Ce serait plutôt cool. Sinon, aujourd'hui, ce matin, c'est cool. Au table, j'ai eu le temps de faire des choses. J'ai eu le temps de finir la miniature du vlog que vous avez vu. On va allumer là. Le vlog que vous avez vu ce matin. D'ailleurs,
Merci beaucoup à la personne qui vient juste de m'envoyer. J'ai même pas répondu, j'ai foncé sur l'ordinateur pour faire la modification. Merci énormément à la personne qui m'a envoyé un mail pour me dire la petite erreur qu'il y avait au niveau du colis. Merci juste énormément, vous êtes vraiment top quand vous m'envoyez des mails, des Instagram ou quand vous prenez la tâche avec moi pour me dire attention, il y a une erreur là, on voit Chouki, on voit ça, on voit ça, on voit ça. Merci du fond du cœur pour ton mail. Je vais t'envoyer un message tout de suite. Et puis voilà, donc ouais, j'ai eu le temps de faire la miniature du vlog de ce matin. Il était temps parce que elle est en ligne maintenant. J'ai eu le temps de faire un montage V-dressing, de finir le montage de mon haul Shein. Et j'étais en train de faire une autre vidéo. J'ai pas eu le temps tout parce que j'avais des choses à faire. Donc voilà, super cool. Je voulais vous montrer, désolé, j'ai plein de trucs à vous montrer. Là je vais vous montrer deux produits que j'ai achetés sur Vinted. Et franchement je suis grave contente, je me suis fait encore une fois influencer par des produits de beauté et en fait j'ai vu que sur le site c'est des produits de beauté de la marque Nuxe, donc j'ai acheté sur Vinted à la même personne Merveillance Lif, la crème concentrée de nuit, ça fait deux soirs seulement que j'utilise, et j'ai pris le petit sérum comme ceci en huile, ça c'est la vraie taille, hein. Il fait 30 ml, donc voilà, et ensuite je vais vous montrer la blessine que j'ai pas du tout ouverte, que je voulais ouvrir avec vous. Donc les deux produits là, je vous dirai ce que ça donne. Je vais l'utiliser dans ma routine avec mon petit médicament. Donc ce que je vais faire, c'est que en premier, c'est marrant parce que je regardais une vidéo d'Emily Beauty qui parlait du sérum. Moi personnellement, le sérum, je l'utilise en... Donc ça c'est pour les yeux, mon sérum pour les yeux, ça c'est mon sérum pour le visage. Je l'utilise avant de mettre ma crème, ensuite je mets la crème là pour la nuit. Et ensuite je scelle entre guillemets l'hydratation avec un deuxième sérum. Tu vois un petit peu l'idée, enfin, c'est vraiment la grosse routine du soir. Et ces deux produits là, alors celui-là il était totalement fermé au perculé. Donc regarde bien sur Vinted si ou tu leur demandes une photo du produit fermé. Mais les deux produits là, je les ai eu pour 38 €, alors que si je les avais payés 9, ils auraient été à 88 €. Sur le site bien sûr, sur le site, après j'ai pas regardé d'autres sites avec des réductions du machin et duc, mais c'est une très très bonne occasion. Et j'ai reçu, parce que des fois en fait t'en as qui travaillent, bah tu regardes le dressing de la personne et tu vois qu'il y en a qui travaillent, je pense qu'il y en a qui travaillent pour Sephora ou pour la marque, parce qu'elles ont beaucoup de produits de beauté. Bon, attention aux contrefaçons ou ce genre de choses, hein, je vous dis pas d'aller les yeux fermés vous acheter vos petits produits sur Vinted, mais regardez bien les commentaires, les machins, les trucs. Attention aussi, allez sur le site de la marque et regardez comment se présente le flacon, et quand vous voyez la photo sur Vinted, regardez si c'est bien la même chose, parce que des fois je sais que j'avais acheté un produit, c'était la produit que j'adore là pour le teint, je l'ai pas là. C'était quoi? Venez avec moi. Ah non, c'est le bordel. Pff, si, c'est le bordel. J'ai une vidéo de dressing qui arrive. Et ici, il y a tous les trucs que j'ai essayé. Le produit... Attends, je vais vous le montrer. Hop. Non, il n'est pas... Il n'est pas là. Là. Hop. Okay. Oh, Mado et Beniguette, pompe à vélo. Quel bordel. C'était quoi? J'ai un backup. C'était celui-là. La CC... La CC de It Cosmetics. En fait, je l'avais déjà acheté, mais c'était sur... en fait, tu vois, là c'est marqué CC Oil, nanani, nanani, nanana. Et en fait, celui que j'avais acheté, j'avais pas fait gaffe, et c'était pas du tout... c'était pas écrit pareil, en fait, c'était pas du tout marqué en français. Je l'avais acheté à quelqu'un en Espagne, et du coup, c'était pas la même couvrance, hein, le produit était nul à Yesh. Donc, elle m'avait remboursé et tout, on avait réussi à trouver un arrangement. Mais voilà, regardez bien que ce soit bien écrit la même chose, parce que je pense peut-être qu'en fonction des pays, ça change. Tu vois, si là c'est marqué Merveillance Lip, si c'est marqué Merveillance de... Je sais pas, tu vois, mais si c'est marqué en chinois, enfin voilà, n'achetez pas le produit, parce que je pense qu'ils ont des... Peut-être ça peut être des contrefaçons, et peut-être qu'ils peuvent avoir des... que le produit ne soit pas exactement le même d'un pays à un autre. J'ai froid là, il fait frisquette ma fifi. Donc je voulais ouvrir avec vous ma blissime que j'ai reçue. On va voir si je suis contente ou pas de la petite blissime des familles. C'est parti, je vais le faire un peu comme je sais plus qui fait ça, mais qui le fait le truc à tâtons. J'ai vu, j'ai écouté tout à l'heure le vlog d'Emily Beauty et j'ai vu qu'elle l'avait reçu. Donc je vais en boîte aux lettres et oui, je l'ai reçu. Alors en premier, j'ai une crème pour le corps à l'huile d'avocat bio et pépins de figue de Barbarie. Comme ceci,
Crème pour le corps, est-ce que ça sent bon? Il y a deux produits. Alors, vous m'avez dit à chaque fois, la dernière fois, vous m'avez dit, oui, Blissim, c'est pas mal parce que c'est des petits échantillons, ça permet de tester, nani, nanana. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a deux produits de chez Blissim que j'aime bien. Il y a le déodorant Envie que je pense que je vais racheter et un autre produit pour le visage que je pense que je vais racheter aussi. Et puis, je crois que là, souvent, t'as des réductions. Ah non, là, t'as un livre photo. Mais là, je les ai jetés, je crois. Je demanderai à Emilie si elle a pas des petites réductions. Ah, oh, je me suis fait spoiler. Yeah, cette chaîne là, c'est marrant parce que je suis en train de le regarder. C'est marrant. Nos favoris, c'est rigolo. Hop, moi aussi je vais être dans les favoris. Non, il n'y a pas de réduction, mais souvent t'as des réductions. Hop, ensuite le deuxième. Par contre, ce qui est chiant sur Blissim, c'est que des fois tu te fais spoiler parce qu'il t'envoie, il te propose tel ou tel produit, tu dois choisir. Alors ensuite, on a une crème visage auto-bronzante. Ouh, ça me plaît beaucoup. Crème visage auto-bronzante. Ça c'est tout à fait mon truc. Là je suis grave contente là. Elle est comme ceci. Ouh là je suis contente de fou. Avec 97% de produits naturels. Ça je vais le tester pour amoureuse. Pour amoureux du soleil. Ça c'est trop cool. Ça je suis grave contente parce que moi j'utilise tous les jours le petit lait auto-bronzant comme ceci. De la marque Mixa que je mélange un peu avec de la crème hydratante, donc ça je suis grave contente. Ensuite on a Juliette Agum Magnolia Bliss. Est-ce que c'est un rouge à lèvres? Non, ça m'a l'air d'être un parfum, ça. Gros parfum, enfin gros échantillon. Ça sent très bon. Ça sent très très bon, ça. Ok, donc la petite, un petit échantillon comme ceci. Il me reste combien? Je regarde pas, il me reste deux. Ensuite, qu'est-ce que c'est? De la marque Pompon. Pompon. Alors, est-ce que c'est un labello? Oh, mais il est tout petit. Hein. Un rouge à lèvres. Plutôt pas mal, je valide, je suis contente de cette box. Et le dernier produit, il n'y en a plus, c'est alors un soin Morocanol pour tout type de peau. Ceci, appliquer une petite quantité sur les cheveux humides ou secs, coiffer comme d'habitude, échantillon, vente au détail interdit. Tu vois, c'est vraiment des échantillons, donc la box, ça doit rien leur coûter en fait. Parce que ça, c'est un full size. Et tous les autres, c'est des échantillons, en fait. Une petite quantité, c'est dur avec un truc comme ça. Ouais, la box, ça doit leur coûter que dalle. Parce que là, je suis sûre que ça, c'est sûr que c'est un échantillon. Tu vois ce que je veux dire? Si tu t'y connais un peu, tu vas demander des échantillons à Sephora. Ils te redonnent des trucs comme ça. C'est là où je suis un peu déçue. Parce que, ouais, au final, t'as qu'un seul full size. Échantillon. Full size. Échantillon de fou. Échantillon de fou, et voilà, tu vois. Et je crois qu'elle est tombée à 19€ la box. Bon, je vais mettre ça là. Donc, c'est où ça, je suis un petit peu déçue. Ça vaut pas. Alors, au final, j'ai acheté un rouge à lèvres, mais il est très joli. Donc, voilà, je suis contente de cette box, mais pour moi, c'est pas vraiment une box, c'est plus une box échantillon. Après, je pense que l'année prochaine, j'achèterai le calendrier de l'Avent. Parce que j'avais bien été conquise, même si j'ai revendu beaucoup de choses sur Vinted. Mais voilà, je ne renouvellerai pas mon... Même si j'ai fait deux bonnes découvertes, je renouvelle... Et même si c'est cool de recevoir des choses, tu sais pas ce que c'est et tout. Je pense pas que je vais renouveler mon abonnement à la Blissim. Parce que voilà, c'est... Ça, je... Je vais l'utiliser, mais tu vois, j'en ai plein. Donc voilà, mais le rouge à lèvres, je suis très contente. Ça, je suis très contente aussi. Ça permet de faire certaines découvertes. Mais pour moi, je trouve ça un peu trop cher pour ce que c'est. Voilà, on verra le mois prochain. On verra ce que ça donne. Sur ce, je vais descendre. Je vais mettre dans le canapé. Je vais faire des impressions écran de toutes les...
de toutes les choses que j'ai à vous mettre sur Vinted, je pense que je vais passer mon compte Vinted en privé. Et comme ça, dès que la vidéo sera en ligne, je vais le mettre en public. Et comme ça, vous verrez tous les trucs d'un coup. Je pense que ça peut être plutôt pas mal. Sur ce, je vous fais... Je vais aller aux toilettes aussi. Je vais aller aux toilettes et mon téléphone est en train de recharger. La vie qui raconte toute sa vie. Mon téléphone est en train de charger et du coup, je me suis mis à la lecture. Mais pas n'importe quelle lecture. Bonjour. Attends. Je me suis mis à ça, enfin le 365 jours, c'est un peu coquin, c'est très coquin, on aime, on adore. Coucou les loulous, ah, est-ce que vous êtes, non, vous êtes en train de pencher, on n'est pas bien du tout. Coucou les gars, oh la tête, ça se voit que j'ai un enfant malade à domicile ou c'est comment? À domicile, hop là, oh là là, mais c'est quoi ça? Bonjour le focus, on aime, on adore. J'ai mis le produit que j'ai reçu hier, le dos bonjour là, je vous... J'arrive, viens me l'apporter, je vais t'aider. C'est compliqué. J'ai mis le produit que j'ai reçu hier, par contre je me suis... j'ai essayé de me faire les rides là, je me suis défoncé le visage. C'est très compliqué, je me suis... Et c'est quoi là? Je sais pas ce que j'ai. Je me suis défoncé les rides, on le voit, c'est très très moche. C'est très très moche les gars. Bref, mon petit chouki, je vous avais dit que mon petit chouki... J'ai eu mon téléphone sonné. Mon petit chouki est malade, il tousse énormément. Du coup, ce matin, on allait chez le médecin, il n'y a rien de particulier, mais le médecin a dit que ce serait bien qu'il reste à la maison tranquillou aujourd'hui et demain, donc c'est cool. Et puis, je pense qu'il en a... Mon téléphone sonne, c'est chiant. Je pense qu'il en a grave besoin parce qu'aujourd'hui, vu que j'étais du matin, normalement il s'est levé à 7h je crois. Et aujourd'hui il s'est couché à 10h, donc il s'est levé à 10h, donc je pense qu'il a énormément besoin de sommeil. Et moi aussi, donc ça tombe plutôt bien. En tout cas ça va, il a des grosses grosses quintes de tout, mais pas d'antibiotiques, rien du tout. J'espère que ça va passer assez rapidement. Ça me saoule ce téléphone qui sonne. Bref, on a été faire vite fait des courses parce qu'il manquait pas mal de choses. Je vous montre ça. On a pris, alors moi je me suis pris des Belvita parce que le matin je sais pas trop quoi manger. Donc j'ai pris des Belvita, enfin si, je sais quoi manger mais à part le... Je me fais un gros des kiwis avec du fromage, avec du fromage blanc et du coup je sais pas quoi manger comme solide à part les fruits que je mets dedans. Donc j'ai pris également des fruits, j'ai pris des pommes comme ceci, j'en ai eu en tout pour 71 euros. J'étais à Carrefour Market. J'ai pris du White Spirit comme ceci, j'en cherchais depuis longtemps parce que vu que je fais en ce moment les... Et comment dire, la peinture et tout, j'ai besoin de White Spirit. J'ai pris ce produit là que je vous avais montré hier, mais c'est pas pour moi, c'est pour une copine. J'ai repris du café viennois comme ceci que j'adore et du cappuccino noisette. Donc ça c'est cool, franchement je ne vis que par ça. Je pense que je vais m'en faire un, je vais me faire un liégeois, café liégeois que je vais mettre beaucoup je peux parler, de glaçons dedans, ça va être cool. Ça m'énerve les gens qui m'envoient des messages là, je sais pas si vous en faites, ça va être c'est relou. Hop, des glaces comme ceci, mon petit chouki voulait des glaces, donc on a pris ça. Aujourd'hui je vais manger des hamburgers, donc j'ai pris deux cheeseburgers, c'était pas vendu par un, donc je vais devoir me sacrifier et en manger un, donc cheeseburger comme ceci. J'ai trouvé ça au rayon congelé, des petits tartares de saumon, ça je pense que ça va être super bon. Des tout petits élastiques que je cherchais à Action que j'ai pas trouvé. Coucou les loulous, donc des tout petits élastiques quand je fais ma petite nappe là des familles, tout petits élastiques mignons. Mon chéri voulait des petits Oreos comme ça, je crois qu'il a jamais goûté, on va tester ça. Il voulait également des gâteaux au chocolat, donc j'ai pris deux petits brownies. Hop, yaourt comme ça, franchement celui-là je l'adore, ça avec des kiwis c'est trop bon. Yaourt vrai comme ceci c'est délicieux. J'ai trouvé des Danonino comme ceci, 1,62€ à la place de 2,16€, donc c'est plutôt cool. C'est des dates courtes. Je crois qu'il y avait un autre truc en date courte. Oui c'est ça. Des mousses au chocolat comme ceci à 83 centimes à la place d'1,11€. Donc c'est plutôt chouette. Des yaourts comme ça pour le matin au citron, des hippos et des sourdis de framboise et jus de grenade. Ça va être délicieux. Ça le matin avec un kiwi ou deux coupés, c'est trop bon. Un gros skir comme ceci. Hop, franchement le matin je kiffe. Des pruneaux, des noyautés. Je me suis dit que ça changerait aussi des kiwis. Des petits pruneaux. Des perles de lait façon noix de coco. Oh oh.
des perles de lait. J'ai pris également des perles de lait classiques, basiques. Et encore des perles de lait, mais ça, ça a l'air bon. Poire, coco, citron vert, fruit de la passion, ananas, coco, comme ceci. Par contre, ils m'ont l'air un peu petits par rapport aux autres. 85 grammes. Le yaourt est là, 125 grammes. L'arnaque du siècle. Des petits beurres comme ceci, des mini petites tablettes. Et j'ai également pris du poulet, encore du poulet, mais du poulet rôti comme ceci. Et 6 tranches de jambon de Paris comme ça. Ah, je suis fanée, je suis rincée. Je vais faire chauffer tout ça, je vais ranger les courses, je vais donner à manger à mon fils. Je vais manger aussi. Et après, j'espère qu'il va faire une sieste parce qu'il fait pas de sieste en ce moment, c'est assez pénible. Et je vais me poser dans le canapé à côté du feu de cheminée. Ça va être cool. Et je vous retrouve plus tard. Coucou les loulous. On adore ou pas? Je suis en train de faire... Oh, je pue. Je smurche. Je suis en train de faire... Mon chouki regarde la patte patrouille. Moi, j'ai un masque des familles parce que hier, j'ai mis mon petit traitement. Et si, ça va marcher. Et j'ai la boue qui tirait un peu. Et donc là, je suis en train de faire mes colis Vinted. Franchement, et merci du fond du cœur. Parce que à chaque fois que je fais mes vidéos vide dressing, j'ai des commandes et ça fait grave plaisir. Donc du coup, je fais tous mes colliers Vinted. Voilà, j'ai plein de trucs là. Là, c'est les produits de beauté, j'ai des vêtements. Il y a presque tout est parti. Presque tout est parti. Donc merci juste du fond du cœur. Et cette fois, j'ai très bien fait de mettre tous les articles pendant que j'étais en mode vacances sur Vinted et ensuite de me remettre. Puis en mode vacances, donc c'était cool. Je suis grave contente, je fais tous mes colis. Et mon masque, ça va, il tombe pas trop. Je fais celui-là. Hop, comme ceci, chez Action. Elle vous fait des bisous, c'est en train de se casser la gueule quand même. Ça y est les gars, j'ai fini. Regardez-moi tout ça. Tous les colis là, prêts à partir. J'en peux plus. J'ai passé plus d'une heure et demie à tout faire. Mais c'est bien, ça fait des petits sous. Et j'avais 18 colis en tout. Donc autant te dire que... fatigant. Une heure et demie, j'aurais pas pensé. Mais le temps de trier les machins, les tubes bien vérifiés. J'espère, je croise les doigts que j'ai pas fait d'erreur, que j'ai pas mis l'étiquette B pour l'étiquette C et dans le colis B pour le colis C. J'espère que j'ai pas fait de bêtises. En tout cas, merci juste énormément. Tout ça. Mon libraire va être dégoûté que je lui ramène tout ça. Mais bon, ça lui fait des sous à lui aussi. Hein. Je crois qu'il gagne 30 centimes par colis. Bref, je vais aller faire à manger pour mon chouki qui est en train de faire le bazar là-haut. Et je vous retrouve plus tard. Coucou les loulous. J'en ai marre de commencer comme ça mes vidéos. Les gars, j'espère que ça va. On est vendredi, il faut que je clôture ce vlog. On est vendredi. Franchement, j'ai passé une très bonne journée aujourd'hui. Je passe une très très bonne journée en ce moment. Je passe des très très bonnes journées avec mon fils en ce moment. Il est super agréable, il est trop gentil. Il est parti tout droit mon amour, le bus, tout droit. Donc ouais, super journée, c'était super sympa. Mon chouki, qui d'habitude ne faisait pas de sieste, bah là il refait de sieste, donc c'est cool. Même si au final on n'a pas fait grand chose, il fait un temps dégueulasse. Hier j'ai pas compris parce que hier il a plu toute la matinée. Ça va être tendu, ça va être tendax. Je vous dirai après. Mais ouais, hier il a plu toute la journée. Après quand on est parti, il a fait beau, enfin c'était n'importe quoi. Hier on avait rendez-vous à l'école de la chouquette. Mais cette fois pour que ce soit Chouki qui voit l'école, qui visite un peu l'école. Et c'était cool parce que moi, à ENA, il y avait eu le Covid et tout, il y avait une journée porte ouverte. Mais vu qu'on avait le Covid, j'ai pas pu y aller. Donc là c'est cool, j'ai pu voir un petit peu l'école. Et puis ce qui était sympa, c'était qu'il y avait ma petite chouquette aussi. Donc elle nous a montré un peu son école, on a vu sa classe. Enfin c'était marrant du coup de voir un endroit où ma chouquette va depuis 2 ans et que j'avais pas vu. Donc ça c'était chouette. Aujourd'hui on n'a rien fait de particulier, absolument rien fait de particulier avec le petit chouki. Il fait un temps vraiment dégueu et puis ouais, je pense que s'il avait fait un meilleur temps on aurait été à la piscine. Et puis surtout s'il ressortait pas d'une semaine de bien de malade, je pense qu'on, enfin que lui qui a été malade, je pense qu'on aurait été à la piscine. Mais bon, on ira la semaine prochaine. Demain il y a mes enfants et mon mec qui partent dans le nord. Donc du coup, quand le chat n'est pas là, les souris dansent, je vais en profiter pour faire une soirée à la maison parce que c'est limite très 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 rare qu'il n'y ait personne à la maison. Donc je vais inviter des collègues, j'ai invité des collègues de bureau à la maison et ensuite on va, après le taf, donc on va rentrer tard, à 23h on va rentrer à la maison, on va se faire une petite soirée et puis après tout le monde va
va dormir à la maison, donc ça va être chouette, ça va être super chouette. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des petites courses au drive. Oh, j'ai fait des petites courses au drive, et étant donné que là, je viens de déposer, désolé, je suis dans speed, je viens de déposer la Chouquette au judo, et étant donné qu'il fait un temps dégueulasse, comme je vous l'ai dit, on a à peu près 50 minutes de battement entre le moment où la Chouquette va au judo et le moment, j'espère que vous m'entendez bien parce qu'il pleut de ouf, et le moment où on va la rechercher. Donc là, je me suis dit que j'allais chercher le drive entre deux. Je voulais aller chercher demain avant d'aller au taf, mais grosse flemme et tout. Et là, je me suis dit, vu qu'il va pleuvoir, avec Chouki, rentrer à la maison, passer 20 minutes à la maison et repartir, c'est un peu chiant, surtout qu'il pleut. Enfin, c'est chiant. Donc du coup, je me suis dit que j'allais chercher le drive. Là, je suis un peu dans le speed parce qu'au final, il me reste quand même une demi-heure, tu vois. Ça va être à 10 km de la maison, mais voilà, il faut pas que je traîne. J'espère que ça va pas être bouché de fou. J'espère. Non, on va chercher les... Maman, elle a déjà fait les courses sur internet. Et là, en fait, on va juste récupérer les courses, mon amour. Donc ouais, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop d'influence au drive. Je pense que ça va être... Je pense que je vais être en train de serrer dans la voiture quand je vais voir tout le monde. Oui, j'ai acheté des kiwis. J'ai acheté des kiwis. Donc j'espère que ça va le faire. Une demi-heure, il faut que... Je pense que ça va être tendu. Je pense que j'aurais pas dû m'aventurer dans des histoires comme ça, parce qu'il est déjà 25, faut que j'aille la récupérer à 18h. Ça va être chaud patate. Je pense que ça va être un peu chaud patate. Mais ouais, pourtant il me reste quand même 35 minutes. 35 minutes pour faire, là j'en ai pour 5 km. Mais le temps passe très très vite. Le temps passe très très vite. Et puis là, je vois que ça bouchonne de ouf. Je te raconte pas l'histoire. Quand je vais rentrer à la maison, je pense pas que je vais. Non, je vais pas vous faire un retour de course, parce que grosso modo, j'ai acheté pas mal de canettes pour mettre dans le frigo du travail, parce qu'on a un petit frigo au travail et je m'occupe de la caisse café. Donc pas mal de canettes, des oasis, du Perrier, des tourtelles. Pour demain, j'ai pris de la Zubrowska, de la vodka, la bière dangereuse pour la santé, avec modération. J'ai pris du Jäger. J'ai pris des Red Bull, j'ai pris. Trouvez-moi une alternative. J'ai pris, parce que ça me saoule quand je fais mes retours de cours, j'en peux plus de m'entendre dire cette phrase. Des bonbons, tu vois, genre des bonbons qui piquent, des bonbons d'Haribo, des Tagada. Bon, du coup, j'ai une petite aparté. Je viens de rentrer à la maison, après vous allez retrouver avec la pub de tout à l'heure. J'ai trouvé des petits jus comme ça à mon drive. C'était un peu cher quand même, je vous avouerai. Il y a des petits en chocolat, mais en fait, quand tu vois l'image, en fait, c'est tout petit. J'ai pris Monsieur Chatouille, j'ai pris Monsieur Costaud et j'ai pris Madame Princesse. Je trouvais ça trop chou. J'ai pris également, regardez les petites courses. J'ai dit petites courses de rien du tout. Hein. J'ai pris de la levure chimique. Donc, je vous disais, de la Zubrowska, et c'est cool parce qu'il y a un verre. Un shooter, il est pas mauvais, il est pas moche. Des petits délices comme ça pour mon chat, je vous en avais pas parlé. Hop, et ça aussi. Et puis voilà, de la brioche comme ça. Ça c'est la vie, frère, c'est la vie. C'est trop bon. Et les bonbons, je vous avais dit, j'avais pris ça. En fait, j'ai pas pris de schtroumpf. J'ai pris ça et ça. Et de la Red Bull. Et de la Monster, parce qu'il n'y avait pas d'attitude de ouf. Donc j'ai pris de la Monster. Voilà. Allez, on se retrouve avec la pioute de tout à l'heure qui était un peu moins mouillée. J'en ai eu au final pour 190 balles, mais il faut que je fasse le calcul de tout. Et que j'ai tout payé avec le compte commun, mais il faut que je vois ce que je dois rembourser avec le compte commun. Vu que c'est moi qui ai fait des courses pour mes potes, c'est moi qui paye, tu vois. Donc il faut que je vois qu'est-ce que je vais rembourser au compte commun. Et il faut que je vois aussi qu'est-ce que je dois rembourser au compte commun et que je dois déduire de la caisse café. Parce que j'ai fait... En gros, j'ai fait une seule course, mais il y a trois porte-monnaies différentes, tu vois l'idée. Donc, il faut que j'organise un petit peu tout ça. Ouais, j'en ai pour 196 euros. C'est parti vite. De toute façon, dès que tu achètes de l'alcool, des machins, des trucs, ça part super vite. Pour la maison, avance-toi. Pour la maison, j'ai pris des couches pour mon Chouki. Mais mine de rien, mon Chouki commence à être propre, donc c'est cool. Aujourd'hui, il a fait des pipis dans le pot. Et aujourd'hui, je l'ai laissé toute la matinée sans couche. À un moment, il s'est mis à pleurer de fou. En fait, il avait fait... Et il fait un gros caca. Il fait un gros caca par terre. Donc, il pleurait de fou. Mais après... Ouais, t'avais fait un caca par terre. Bouze, bouze. Mais... Exactement. Et après, il a fini son petit caca dans le pot. Et ça, c'est super bien. Oui, comme papa et maman. Nous, on fait pipi et caca dans les toilettes.
Mais c'est très très bien, mon cœur. Et donc, ouais, c'est cool. Ouais, moi, quand j'étais petite, je faisais pipi et caca dans un pot. Hein. Et après, j'ai été aux toilettes. Hein. Je faisais comme toi, mon cœur. Hein. C'était la même chose que toi. Tout pareil que toi. Mais franchement, quand j'étais toute petite, ouais, maman était toute petite il y a très longtemps. Et toi, t'es grand? Ouais, t'es petit, tu vas sur le pot, t'as raison. Et donc voilà, donc c'est cool. Donc là, je pense, j'espère, Inch'Allah, que c'est les dernières couches que je lui prends. Je me suis même dit, oh, j'en prends trop et tout, parce que genre, t'avais trop acheté de payer, enfin, une connerie comme ça, tu vois. Donc des couches, j'ai pris des kiwis, j'ai pris des bananes. J'ai pas pris de bouffe, j'ai pas pris de gâteau, mais voilà, que grosso modo, que des trucs pour faire. Oui, on est bientôt au magasin. Donc voilà, rien d'exceptionnel. Des petites courses. D'ailleurs, le mot de fin sera course. Laissez-moi un message. Vous avez une main. Laissez-moi un message pour me dire. Bah, laissez-moi un message. Et laissez-moi un message. Mais il est fou. Laissez-moi un message de fin où vous me laissez le mot course. Je kiffe de ouf lire vos commentaires parce qu'en fait, j'oublie. Tu vois, je me dis, c'est quoi? Mais qu'est-ce qu'ils m'ont dit quoi? Pourquoi ils m'ont dit ça en fait? Mais des fois, c'est le mot de fin. Donc, ça me fait bien rire. Ça me fait rigoler comme tout. En ce moment, mon teint est bien, mais j'utilise encore. Ça fait 3 fois que j'utilise depuis. On tourne pas. Ça fait 3 fois que j'utilise le produit que j'ai reçu dans la piscine, là, le bronzant. Donc, franchement, super bien. Je le trouve super bien. Très très sympathique. Ça donne une petite peau de pêche et cool. Et ça me donne pas de boutons ni quoi que ce soit. Donc, j'aime beaucoup. Je me suis mis un. Pas un fond de teint, mais un produit bioderma teinté, je sais pas quoi. Et j'ai mis de la poudre. J'ai mis de la poudre parce qu'en fait, tout à l'heure, j'en ai profité. Bon, oui, un tout petit peu. J'en ai profité en fait. J'en ai profité tout à l'heure. Ouais, ça va être bon niveau de temps. Désolé, je passe du coq à l'âne, mais niveau temps, ça va être bon parce que là, même si je passe 20 minutes au drive, ça devrait le faire. Faut que je passe un quart d'heure au drive et puis c'est tout. Ça va être pile poil, mais ça va le faire. Donc je disais que tout à l'heure, j'ai profité que mon chouki dorme pour faire. Peut-être 6 vidéos, mais je vous explique. Grosso modo, je vais faire une vidéo sur les nouveautés, je crash test les nouveautés de chez Action par rapport à mon dernier haul. Donc j'ai fait ça, et après il y avait plein de... Je vous laisserai découvrir, mais grosso modo, au début je voulais faire une seule et même vidéo de Action. Je compare des produits Action par rapport à d'autres produits, on va dire. Et en fait, je me suis dit, bah, ce serait cool peut-être de faire une vidéo par produit. Donc j'espère que ce concept vous plaira. Pourquoi pas un nouveau concept sur ma chaîne. Là c'est pas vraiment. J'avais testé déjà de faire un concept genre crash test de tel produit de chez Action qui n'avait pas vraiment pris, tu vois, un seul et même produit. Et là c'est plus une comparative entre tel produit et un autre produit, tu vois. Par exemple, je sais que je crash test les Pimps, les bonbons Pimps à l'orange, à orange chocolat, vendus chez Action. Et ben, je les crash test par rapport à d'autres Pimps que tu peux trouver dans n'importe quel magasin. Et entre autres, tu vois, il y a 5-6 produits que je crash test et j'ai trouvé que c'était une vidéo plutôt sympathique. Et donc j'ai hâte que vous voyez ça. Donc ouais, du coup, au lieu de faire... et là, ça bouge, hein, pas de panique, pas de panique, pas de panique. Et donc, plutôt que de faire une seule et même vidéo, bah du coup, j'ai fait ouais, peut-être 6-7 vidéos différentes. Donc voilà, il me reste encore quelques petits trucs à peaufiner. Et après, ça va le faire. Faut que je fasse le montage et tout. Je sais pas du tout quand je ferai le montage. J'allais dire peut-être dimanche soir, mais non, dimanche soir je risque de finir tard. Donc je sais pas, des nouvelles petites thèmes de vidéos un peu sur ma chaîne. Et c'est cool parce que ça va me faire pas mal de vidéos en stock. J'ai plein d'autres vidéos à vous tourner. J'ai fini de... Ça a arrêté parce qu'il y a beaucoup trop de voitures au même endroit. Du coup ça fait un bouchon. On a arrêté et là-bas il y a le feu rouge. Et quand c'est rouge on passe pas. Et ouais, j'ai fini de faire le montage de la vidéo sur... Oui, quand c'est vert, on va passer. J'ai fini de faire le montage de la vidéo sur l'épilation définitive. Il faut que je vous fasse une vidéo sur mon... Le stérilé. Et vert, on avance, allez, on avance. Je sais pas, mon cœur. Et vous êtes nombreuses à chaque fois et... Oui, un camion.
des fois je trouve ça un petit peu pénible entre guillemets, parce que quand je vous mets une vidéo, genre là j'ai fait une vidéo avec Nani, tu vois, et en fait il y en a qui me demandent bah c'est quand que tu fais ton retour par rapport à ton opération dessin. Et pourquoi vous me laissez une vidéo sur mon opération dessin sur une vidéo, enfin, pourquoi vous me laissez un commentaire par rapport à mes seins sur une vidéo de Nani? Ça n'a rien à voir, vous pouvez toujours me... Je sais pas, mon cœur. Vous pouvez toujours me laisser une vidéo. Je vois tous vos nouveaux commentaires, en fait. Donc, si vous avez une question à me poser sur ma poitrine, laissez-la dans la vidéo en rapport avec la poitrine. Mais vous inquiétez pas, mon opération par rapport au sein, je vous la mettrai. Je vous en parlerai dès l'instant que j'aurai revu le chirurgien pour faire un bilan. Là, ça fait déjà un an, mais j'aimerais voir le chirurgien et me dire ce qu'il en pense, lui. Je vous le redis, je vous répète, je ne suis pas satisfaite à 100% de mon opération. Hier j'étais en train de regarder des, des photos des avant après, des machins, des trucs, ça m'a saoulé. Oui, je trouve mes seins beaucoup plus jolis qu'ils n'étaient avant. Bus. Mais je suis un peu déçue dans le sens où je les trouve toujours tombants. J'ai essayé hier de mettre une petite tenue, tu vois, genre body bien ouvert ici, et je trouve que ma poitrine reste tombante par rapport au, même si on laisse les sous de côté, par rapport aux cicatrices qu'il y a et le rendu en fait je sais pas du tout, mon cœur. Je pense que j'aurais dû plus partir sur une autre type d'opération, peut-être une opération en mettant peut-être un lifting mammaire, en mettant directement des implants, ou je sais pas. Donc non, je suis pas satisfaite de mon opération, mais je vous ferai une vidéo post-opération une fois que j'aurai revu le chirurgien mi-mai, si je dis pas de bêtises. Donc je vous ferai ça. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'aimerais avoir votre avis. Hier j'ai regardé, donc je disais, je regardais des techniques, parce que je n'ai aucune envie qu'il remonte encore mes seins avec la même opération et d'avoir des cicatrices, surtout au niveau du bas des seins, on les voit beaucoup. Et donc n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé le lipolift, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, ça bouge, mais grosso modo ce serait enlever de la graisse du ventre ou des fesses et de la remettre dans les seins. Est-ce que vous avez déjà testé ou pas? Donc voilà, dites-moi si vous avez testé ce genre d'opération, dites-moi si vous avez des échos, ce genre de choses. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire par rapport à tout ça, par rapport à ça. Et voilà, et si vous êtes fait opérer de la poitrine avec il y a du monde de fou, avec des implants, n'hésitez pas à me contacter sur Insta, et si ça vous tente de m'envoyer des photos pour que je vois un peu ce que ça peut donner. Voilà, parce que les photos sur internet, on sait ce que c'est. Sur ce, j'arrive au drive. J'ai pas de carte, donc faut que j'aille me présenter au guichet. Donc n'hésitez pas à me laisser le petit mot de fin. Oui, le mot de fin, désolé pour le bordel. Le mot de fin en laissant le mot course. Je vous fais des gros bisous. Je vous mens pas, je suis au drive. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Tu dis au revoir les loulous. À la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Bisous les loulous et bonne course. Rio, Cancun, Marbella, toi, moi, soleil, ma bella. Versace, Gucci, Margiela, j'ai la classe comme Manny Rivera. Cigario, dans le barrio, parfum vanilla, mucho dinero.